Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sweet Did It Art. Je propose des vidéos un petit peu branchées artistiques, d'ailleurs même beaucoup, et beaucoup d'art vlog. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne YouTube et vous abonner si le cœur vous en dit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je voulais absolument faire parce que je sais que parfois, c'est compliqué d'arriver à trouver des vidéos, notamment en français, sur les imprimantes. Mais à usage plutôt artistique. Alors, très clairement, j'ai fait le choix de l'imprimante que vous allez voir juste après. Très simplement parce que je voulais simplement un format A4 et non pas du format A3, parce que c'est beaucoup plus encombrant. Voilà, je ne sais pas du tout le rendu que ça va avoir sur mes illustrations, donc j'ai vraiment hâte de faire des tests. Je sais que c'est pas toujours évident et je sais qu'il faut souvent faire beaucoup de tests pour avoir un rendu qui nous convient. Mais avant ça, surtout avant ça, et ben c'est parti, je vais vous montrer l'installation de mon imprimante. Il s'agit d'une Epson. Donc voilà, c'est une ET2850. C'est en, on va dire, en milieu de gamme. Voilà, c'est pas une imprimante hyper performante, mais voilà. Écoutez, moi j'ai fait ce choix-là, ça a été très très compliqué. Ça fait des années que je regarde des vidéos sur YouTube, des vlogs, des blogs, des articles à propos des imprimantes. Voilà, je voulais quand même essayer de trouver une qui soit quand même un petit peu qualitative pour pouvoir faire des prints, mais sur petit format, donc type A5 ou vraiment maximum A4. Mais voilà, donc du coup, et ben, ça va être la surprise en même temps que vous. Allez, c'est parti, let's go, on va déballer le colis. Alors déjà, il y a un CD, mais moi déjà, sur mon PC en tout cas, je ne pourrais pas l'utiliser puisque mon PC ne prend plus en charge les CD. Donc voilà, c'est aussi une interrogation que je vais avoir, sachant que c'est une imprimante sans fil, donc Wi-Fi ou Bluetooth, et que donc on peut imprimer directement du téléphone ou des tablettes, etc. Alors ici on a le bébé, donc le manuel d'instruction, et donc avec on a un câble d'alimentation évidemment. Et moi en fait j'ai eu donc trois bouteilles d'encre couleur avec deux bouteilles d'encre noire. Donc je vais vous expliquer un petit peu justement, puisque ces fameuses Epson EcoTank n'ont plus de cartouches mais des réservoirs d'encre. Donc on va voir ce que ça va donner. À savoir qu'en fait ces bouteilles font beaucoup économiser au niveau de l'encre par rapport à des cartouches classiques. Déjà ça ne sèche pas de la même façon, et comme vous allez voir, vous avez des réservoirs ici dans lesquels on va remplir directement l'encre. Voilà, donc après j'ai plus les notions en tête exactement, mais on parle je crois de 80 cartouches. Juste pour un kit comme ça, ça équivaut à 80 cartouches. Donc autant vous dire que ben, vous avez de quoi faire pendant un certain temps, ça c'est sûr. Du coup, ce que j'aime plutôt dans ce modèle, c'est que c'est plutôt compact. Donc c'est vraiment cool parce que ça prend pas tant de place que ça. Et c'est quand même un tout en un. Donc on va voir que ça fait aussi scan et copie. Thank you.
Alors, du coup, je vous montre. On a une bouteille de noir, du coup 127 millilitres. Et ensuite, les autres, ce sont des 70 millilitres. Donc, autant vous dire qu'il y a quand même pas mal de quantité. Donc, on a du jaune, du magenta et du cyan. Donc voilà pour les bouteilles. Donc ce qui est très important dans un premier temps, c'est surtout de ne pas mettre sous tension l'imprimante tant que nous n'avons pas mis l'encre dedans. Donc c'est parti, let's go. Alors pour ce qui est des cartouches du coup, donc il faut ouvrir comme ça et ensuite ouvrir cette partie là. Hop, ça reste bloqué comme ça. Ensuite vous avez donc les fameux réservoirs, donc avec les couleurs dessus. Et donc, il y a simplement à ouvrir. Voilà. Alors, pour ce qui est de mettre l'encre, alors apparemment, c'est pas du tout compliqué. Il faut simplement... en fait, il y a un système, comme ça, vous voyez, qui permet normalement de ne pas se tromper parce que tous les embouts sont un petit peu différents en fonction des couleurs. Donc déjà vous ne pouvez pas vous tromper normalement, sinon ça ne rentrera pas correctement. Donc ça c'est bien, normalement je fais le test, voilà, si on penche la bouteille comme ça en fait, ça ne coule pas parce que vraiment ils ont fait un système super bien fait par rapport à ça. Donc écoutez, je teste en même temps que vous, donc c'est parti, let's go, je vais mettre la bouteille. Oh, attendez, je crois qu'il y a un sens. Hop. Donc, maintenant, écoutez, je vais vous mettre le micro à côté. Là, vous entendez que l'encre est en train de couler. Et si vous regardez bien, donc, le réservoir est en train de se remplir. Donc, ce qui est super génial, c'est que il y a un système aussi qui permet d'arrêter... de faire couler l'encre à partir du moment où elle arrive à niveau. Donc ça c'est quand même vachement sympa parce que au moins ça permet qu'il n'y ait pas de débordement ni quoi que ce soit. Alors là si vous écoutez, ça coule encore un petit peu et là maintenant ça fait plus de bruit. Donc si ça fait plus de bruit, eh bien ça veut dire tout simplement qu'on peut enlever la bouteille et normalement voilà, ça ne coule pas. Donc voilà pour la première bouteille et on va faire la même chose pour les autres. Alors, comme vous avez vu, j'ai refermé les petits réservoirs, donc on redescend ça, et ensuite on redescend gentiment le couvercle. Premier step. Alors, de pour fait. Des raisons pratiques, je l'ai changé de place, simplement parce que le câble n'était pas assez long pour pouvoir le brancher, donc là j'ai branché électriquement. Maintenant, le but, ça va être dans un premier temps de télécharger l'application Epson. Donc il va falloir que je cherche ça et voilà. Bon après je vais peut-être pas forcément pouvoir trop vous montrer sur l'application. Si je peux, je vous fais un screen, mais ce n'est pas garanti. Juste allez, avant de passer à la suite, je voulais quand même vous montrer. Donc on a ça pour sortir le papier, pour glisser le papier à l'intérieur, évidemment avec les petites languettes pour pouvoir régler la taille du document. Et ici. On a pour le papier. Alors, dans un premier temps, je vous montre rapidement. Alors là, c'est sur mon iPad. Mais bon, sur mon téléphone, ce sera la même chose. On doit télécharger Epson Smart Panel. Déjà, pour permettre voilà, au niveau de la configuration de l'imprimante, c'est mieux de l'avoir voilà, directement sur tablette ou sur téléphone. Dans la même chose, si vous avez Epson ePrint, pareil, donc là, c'est, bon, là, encore une fois, je suis sur un iPad, mais c'est la même chose, ça permet justement d'imprimer et numériser en passant directement par le biais du téléphone ou d'une tablette, donc pareil, à installer, c'est des logiciels qui sont gratuits, évidemment. Alors maintenant, on passe directement à la configuration. Donc on a un tout petit écran, tout petit, mais un petit écran tactile. Alors, évidemment, vous n'allez pas forcément bien voir, mais on va choisir dans les menus. Donc là, je vais chercher le français, etc., etc. Donc là, c'est en train d'initialiser. On va la laisser faire.
pensé à insérer ce petit screen. Mais donc voilà, je suis passée par l'application Epson Smart Panel pour pouvoir démarrer la configuration de l'imprimante. Puisque cela était nécessaire. Donc voilà, pour l'instant c'est en train de configurer. Je crois qu'il faut compter environ une dizaine de minutes. Donc on va patienter. Donc vous entendez le bruit, c'est le bruit de l'initialisation de l'imprimante. Il faut savoir que c'est un petit peu bruyant quand même. Voilà, là c'est en train de continuer. Donc je vais laisser faire. Oh là là, que ça a été compliqué. Je suis pas sûre encore d'avoir vraiment tout capté. Par rapport au Wi-Fi, la connexion entre le téléphone ou la tablette et l'imprimante. Visiblement, avec la tablette, c'est plus facile qu'avec le téléphone. Donc voilà, je vous ferai des petits retours peut-être un petit peu plus tard. Je pense que pour aujourd'hui, je vais arrêter là. Je vais attendre d'avoir le résultat, sachant que j'utilise vraiment un papier très bas de gamme, 80 grammes. Je voudrais faire juste une impression au format A4. Et je ne suis pas arrivée à faire... Je voulais faire deux formats A5 sur un format A4, mais je n'y suis pas arrivée avec l'application. Donc je pense que ça va nécessiter un petit peu plus de recherche. Voilà. Hello tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui, on est le jour suivant, j'ai fait une pause parce que hier en fait j'étais, très clairement je vais être honnête, j'étais saoulée de l'installation et de la mise en service de mon imprimante. Finalement ça m'a pris vraiment quasiment toute l'après-midi, j'ai essayé de faire quelques tests, des choses comme ça, et en fait les tests étaient vraiment dégueulasses. D'ailleurs je vais vous les montrer vu que là il fait jour et qu'il y a du soleil, donc je vais pouvoir vous montrer un peu ce que ça donne, mais très clairement, le résultat est vraiment très moche pour le moment. Donc peut-être aujourd'hui je vais repartir pour refaire quelques tests d'impression en changeant quelques paramètres et en testant avec d'autres papiers, etc. Et on verra ce que ça donne. Mais très clairement, c'est vrai que moi le côté Wi-Fi, Bluetooth et tout, c'est très pratique, il faut dire ce qui est. Mais le côté où il n'y a pas de câble Ethernet, c'est un truc un petit peu négatif pour moi. Donc voilà, en tout cas, le but, c'est surtout d'essayer d'arriver à avoir un rendu quand même pas trop dégueulasse au niveau des dessins et impressions. Encore une fois, moi, c'est vraiment dans cette optique-là qu'à la base, je voulais une imprimante. Donc évidemment, j'aurais dû, je le sais, mettre un prix beaucoup plus élevé pour avoir quelque chose de vraiment qualitatif sur lequel je me serais peut-être beaucoup moins questionnée. Mais on va voir, hein, on va faire des tests et puis on verra, peut-être que je vais arriver à solutionner le truc toute seule et à trouver quand même une impression à peu près correcte, en tout cas dans mes attentes, quoi. Allez, c'est parti, je vous montre ce que ça donne. Alors, le premier test que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc, comme vous voyez, je ne sais même plus si je vous ai montré hier, mais en gros, ça a bavé ici. Ici et je crois un petit peu ici, voilà. Donc très clairement, alors je sais pas si vous allez voir parce qu'à la caméra ça fait limite, des fois ça fait mieux, mais là c'est très très foncé, on voit absolument pas bien les traits et normalement c'est censé être ancré avec du noir, donc très clairement là le noir on ne le voit pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un test un petit peu après qui me semble quand même mieux, faut dire ce qui est. Là, on est plus sur ce que moi j'ai créé sur par digital, même si, encore une fois, ce n'est peut-être pas encore assez lumineux et saturé, mais on s'en rapproche un petit peu. Après ça, c'est plus acceptable. Et ensuite, j'ai voulu faire deux tests, donc d'un autre dessin digital noir, plutôt noir et blanc. Donc le premier, je l'ai mis comme ça, en édition couleur, du coup ça m'a sorti un espèce de bleu gris, et du coup les traits, vous allez peut-être pas bien le voir, mais sont pas très noirs. Donc je l'ai ressorti après en noir et blanc, et je pense que là vous allez vraiment voir la différence. Si je les mets côte à côte, vous voyez que c'est beaucoup plus noir. Donc en noir et blanc, c'est à peu près convenable, c'est net. Puisque de toute façon, c'est des formats qui sont nets, que j'ai utilisés, enfin des documents en tout cas qui étaient de très bonne qualité. Mais j'ai quand même voulu faire un test, et là c'est vraiment la catastrophe complète.
de faire une planche avec quatre dessins complètement différents. C'est fait exprès. Donc, alors celui-là, déjà, on voit quasiment rien. En fait, c'est très fade et foncé. Tellement foncé qu'en fait, on voit quasiment rien sur les feuilles. Donc, je suis vraiment dégoûtée. Très clairement, c'est vraiment très moche. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, dans un premier temps, ce que j'ai envie de tester, c'est déjà aussi le scan. Donc, j'ai pris des mini prints que j'ai déjà et je vais essayer de voir ce que ça donne en copie. Je choisis des teintes un peu différentes et c'est bien fait exprès justement pour avoir pour voir un petit peu ce que ça peut donner en rendu. Bon, alors, comme je me doutais, ben le blanc n'est absolument pas blanc. Voilà. Voilà, on verra, je vous montrerai, mais c'est vraiment, bah, la copie est vraiment pas belle du tout, comme je m'en doutais. Alors, je vous montre du coup le premier résultat. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas beau du tout. En termes de couleur, c'est vraiment moche. Donc, j'ai changé les paramètres. J'ai refait un test, alors là j'ai complètement. Alors pas celui-là, attendez, je vais montrer d'abord celui-là. J'ai complètement oublié que c'était du papier normal en fait que j'ai utilisé, mais alors c'est mieux que l'autre, mais voilà, on n'est pas encore sur le super résultat. Donc bon voilà, et j'ai refait un autre test avec du papier glacé cette fois. Alors très clairement là ça se voit là, c'est-à-dire le rose ne le fuchsia du moins ne ressort absolument pas. Bon voilà, c'est loin d'être satisfaisant. Alors là maintenant en fait je lance une impression bon, des mêmes dessins mais de mon iPad. Ce que j'ai fait c'est que j'ai été sur Procreate et j'ai créé un fichier en PDF. Donc voilà parce que je crois que le format PDF est mieux supporté par l'imprimante. Donc ben, on va voir ce que ça donne. Alors que vous voyez déjà en fait mon document initial, il est très lumineux, les couleurs sont vraiment chouettes et tout. Et donc voici le rendu papier qui est absolument pas pareil comme vous voyez. Et encore à la caméra je trouve que ça rend limite mieux, mais là on est vraiment sur du orange rouge au niveau du félin. Le fuchsia on le voit absolument pas. Mais bon, on va dire que c'est un petit peu mieux, mais c'est pas du tout ça encore. Bon, alors cette fois, je fais un dernier test avec du papier mat Epson, juste pour avoir un rendu sur du mat et voir un petit peu ce que ça peut donner, si au niveau des couleurs, ça change quelque chose ou pas. Et ensuite, j'arrête et je vous fais un petit retour de tout ça. Bon, je suis désolée, je vais vous montrer ça après, mais... Danse de la joie, danse de la joie! Je crois que j'ai enfin trouvé. Je crois que je suis assez contente du résultat après maintes et maintes et maintes expériences. Je crois que cette fois-ci, on est plutôt cool. Donc, je vais vous montrer ça et c'est trop bien. Alors, je vous montre du coup le résultat. Donc, on va passer. Ça, je vous le garde pour la fin. Donc, jusqu'à présent, les différents tirages que j'ai faits, ça donnait ça. Alors, vous allez dire, c'est pas trop mal, mais c'est loin d'être vraiment le rendu final que je souhaitais. Donc, il s'agissait d'un papier 160. Alors, attendez, que je regarde. 160 grammes semi-glacé. C'était celui-ci que j'avais trouvé sur que j'avais acheté sur Amazon et en même temps j'avais aussi pris quand j'ai acheté l'imprimante ce papier mat Epson en 189 grammes, donc plutôt pas mal. Et en vraiment là j'ai voulu tester, j'ai dit tant pis c'est pas grave, je vais faire un test. De toute façon il faut tester les papiers parce que je sais très bien qu'il y a une différence extraordinaire. Et là je vais vous montrer du coup la différence, elle est incroyable. Regardez, on va prendre par exemple ces deux-là, là, celui-là et celui-là. Voilà, là, on a vraiment une énorme différence. Alors, celui-là aussi, enfin, en fait, c'est vraiment quasiment proche de la réalité. Alors là, ça paraît pas, mais c'est quand même du fuchsia. Vous allez peut-être le voir légèrement rouge, mais ça reste quand même presque du fuchsia. Donc là, je pense que j'ai enfin trouvé le papier et l'impression qui me convenait. Donc voilà, je suis super méga contente, comme quoi il faut pas lâcher le morceau.
Et voilà, donc bon, après, c'est un papier qui n'est pas donné, très clairement, mais voilà, la différence, elle est vraiment flagrante. Alors, très bien, les amis, ça y est, c'est l'heure du bilan pour moi pour cette mise en service et installation de cette imprimante. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une Epson EcoTank ET2850. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire à ce propos? Alors, attendez que je reprenne ma petite liste. Donc, au niveau de l'installation, très simple, au niveau des cartouches, vous avez vu, c'est pas compliqué. Au niveau de l'initialisation de l'imprimante, on compte 10 minutes à peu près. C'est respecté, c'est assez bruyant quand même, je tiens à préciser. Et ensuite, au niveau de la configuration, alors, j'ai plusieurs petites remarques à faire, notamment pour ce qui est de la connectique des smartphones. Je vous avoue que c'est un peu compliqué parfois au niveau du Wi-Fi pour les smartphones. Voilà, parce qu'après, ça dépend, je pense, aussi des paramètres de votre téléphone. Mais c'est vrai que ben, forcément, on est en général connecté à notre box Internet directement au Wi-Fi aussi. Donc, il faut voilà, désactiver le Wi-Fi et activer le Wi-Fi pour l'imprimante. Ce qui fait que du coup, je pense que ça risque de poser problème. Si on va imprimer directement d'Internet, ce ne sera pas trop possible. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé la solution, à part enregistrer le document d'abord dans ces fichiers et ensuite de mettre le Wi-Fi imprimante pour pouvoir imprimer. Donc voilà, smartphone, je mets des bémols. Je suis pas super, super satisfaite. Pour ce qui est de la tablette iPad, alors je pourrais parler que de l'iPad, du coup, donc des autres tablettes, je ne pourrais pas vous dire. Mais pour ce qui est de l'iPad, je trouve que vraiment, il n'y a eu aucun souci. Notamment, en fait, on peut rester connecté en Wi-Fi à la box et en même temps être en connexion Wi-Fi avec l'imprimante. Donc ça, c'est quand même super génial puisque visiblement, je n'ai pas eu trop de problèmes pour ce qui est des applications. Je vous en parlerai juste après. Et enfin dernier, le PC. Alors là, j'étais assez étonnée parce que j'avais un petit peu peur, sachant que mon PC maintenant, il doit avoir, je dirais, 3-4 ans facile, mais franchement, nos soucis, le PC a détecté tout seul l'imprimante, ça s'est installé tout seul, je n'ai pas eu besoin d'utiliser le CD-ROM, puisque du coup j'avais un peu peur de ça, ou qu'il faille installer des pilotes, etc. Je n'ai pas eu besoin, ou en tout cas, si ça a été fait automatiquement, parce qu'en 2 minutes chrono, l'imprimante était prête sur mon PC. Donc super, au niveau de la connexion PC, aucun souci. Alors ensuite, au niveau de ce qui est des applications à installer, donc vous en avez potentiellement trois. Évidemment, vous faites bien comme bon vous semble. Je vais essayer de vous montrer. Donc vous avez ces trois-là. Donc il s'agit de le Epson Smart Panel. C'est, on va dire, l'application la plus importante des trois qui permet d'imprimer, numériser, copier et d'autres choses. Je ne sais plus encore exactement. Après, vous avez l'Epson ePrint. Tout ça, ce sont des applications qui sont gratuites, évidemment. Donc, la e-print qui permet ben, d'imprimer, vous avez aussi plusieurs options dessus. Et la troisième qui me semble particulièrement intéressante, en tout cas dans mon cas, c'est la Epson Creative Print. Parce que là, du coup, ça vous permet de faire des collages. Si vous souhaitez faire des collages, donc par exemple, moi, si je souhaitais avoir 4 fois le même dessin, je fais un petit collage. Et ça permet voilà, de pouvoir positionner un petit peu mieux les documents pour que ça puisse rentrer dans les feuilles, par exemple, notamment les feuilles A4. Donc voilà, ces applications, elles sont assez simples d'utilisation, assez intuitives, j'ai envie de dire, hein. Donc voilà, c'est mieux de les avoir. Après, ce n'est pas une obligation non plus, ça dépend ce que vous voulez en faire, parce que de toute façon, maintenant, que ce soit smartphone, iPad ou PC, très souvent dans les documents, quand vous allez sur le document, vous avez possibilité d'imprimer. Vous allez dans les 3 petits points et en général vous avez imprimé. Et normalement, ça détecte automatiquement l'imprimante. Donc si vous ne cherchez pas forcément une qualité extraordinaire, mais juste pouvoir imprimer, bah, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement. Donc franchement, ça c'est quand même très pratique le côté Wi-Fi et bah, le côté Wi-Fi sans fil et sans avoir tout ce matériel autour. Donc voilà Alors pour sinon, ça. évidemment, dernier point sur lequel je voulais parler, donc évidemment, c'est que j'ai fait un tas de tests. Je vais vous montrer, alors je vais pas tout vous montrer, mais pour vous dire que il faut pas lâcher, enfin surtout si vous souhaitez imprimer des choses dans ce style, évidemment, si encore une fois c'est que bout de la bureautique, cette imprimante-là,
Ça fait le job, je veux dire. Vous pouvez même en trouver des moins chers, à mon avis, qui seront tout aussi bien. Ça, c'est sûr. Mais moi, du coup, c'était pas du tout mon but et je voulais quand même pouvoir avoir la possibilité d'imprimer quand même quelque chose de relativement correct. Et là, je suis vraiment satisfaite de ce résultat-là. Mais pour arriver à ce résultat, j'ai fait un certain nombre d'impressions. Donc, j'avais commencé pour, je me rappelle au début, à vous montrer ce genre de choses qui étaient vraiment absolument, vraiment moches. Donc je pense que le résultat ne sera pas le même. Déjà celui-ci, vous voyez que déjà l'impression elle est carrément mieux que la première. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Après sur celle-ci c'était vraiment, vraiment dégueulasse, hein, faut dire ce qui est, c'était vraiment pas beau. Donc point d'interrogation, qu'est-ce que ça rendrait sur ce fameux papier? Donc d'ailleurs c'est là où je voulais en venir. Donc j'ai fait des tests, hein, très sincèrement, j'ai mis les documents en PDF, j'ai mis les documents en JPEG, j'ai mis même les documents en TIFF. Voilà, et ensuite j'ai changé un peu, forcément je mets qualité supérieure pour tout. Mais sur les applications, il y a très souvent une correction automatique. Alors ça, je me suis dit qu'il fallait que je l'enlève. Visiblement, si je l'enlève, c'est mieux. La netteté, j'ai laissé oui. Et voilà, donc en fait, j'ai fait des tests de par l'iPad, de par le smartphone et puis de par le PC aussi. Donc voilà, il m'a fallu un certain nombre quand même de tests, mais on arrive quand même à un résultat qui moi me convient. Voilà, pour je pense que je pourrais pas aller bien au-delà. Je pense que là on est à peu près au maximum de ce qu'on peut faire, mais voilà, c'est déjà pas mal. Et je voulais juste vous montrer ce papier. Le papier que j'ai utilisé jusqu'à présent, c'était celui-ci. Très sincèrement, d'ailleurs, petite parenthèse, je l'ai reçu sur Amazon. Bonjour l'angoisse, hein, je l'ai reçu. Il était déjà déchiré de partout. Bref, super quoi. Alors ça, c'est un papier, moi je dirais, qui est... Alors, c'est pas précisé, mais moi je le vois plutôt comme du semi-glacé. Et c'est du 160 grammes. Donc, bon, très sincèrement, je suis un peu dégoûtée parce que j'en aurais peut-être pas une super grande utilité. Puisque du coup, vraiment, les résultats sont vraiment merdiques. Excusez-moi. Oups, j'ai dit un gros mot. Mais voilà, donc du coup, mon choix se tourne en tout cas pour l'instant sur celui-ci. Donc, c'est du Epson. Donc, comme vous voyez, papier mat. Donc, c'est vrai que le prix est absolument pas le même. C'est du 189 grammes. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, celui-ci, je l'ai eu en promo d'ailleurs, parce qu'il était à 22 euros. Le prix, c'est 22 euros. Les 50 feuilles. Donc c'est quand même pas donné. Moi je l'ai eu à 19 euros parce que voilà, c'était un retour client en fait. Donc c'est pour ça que j'ai eu une petite promo dessus et j'étais bien contente. Finalement je suis très très contente surtout de l'avoir pris. J'avais longuement hésité et ben je peux vous dire heureusement que je l'ai pris parce que ça m'a permis de voir que c'était quand même possible de faire quelque chose de sympa. Donc voilà, après l'autre c'est sûr que c'est pas la marque Epson. Évidemment que si vous utilisez du papier Epson sur une imprimante Epson, vous aurez forcément un résultat bien meilleur, ça c'est une évidence. Mais voilà, je pense qu'après, il faut faire des tests et voir un petit peu qu'est-ce qui vous convient le mieux. Donc voilà, en gros, pour vous donner aussi un ordre d'idée, l'imprimante, je l'ai eue à peu près à 280 euros, si vous posez la question. Je l'ai pris chez Boulanger. Ce n'est absolument pas sponsorisé la vidéo, comme je pense que vous aurez compris. Je ne fais pas de sponsor pour le moment. Mais voilà, moi, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous... très simple, on va dire... En toute transparence, hein, et en toute humilité, moi qui mets en place une imprimante et voudrais faire quelques petits tirages, des petits tirages d'impression de mes créations digitales et créations autres, donc voilà. D'ailleurs, si jamais, petite parenthèse, si jamais les impressions, ces dessins-là vous plaisent, il y en a d'autres. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, vous verrez les différents, les différentes créations que je peux faire. Et il faut savoir que donc voilà, je les propose en ce moment en vente sous la forme de tirages d'art que j'ai moi-même retouché toute une par une. Autant vous dire que ça m'a demandé un sacré travail. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma petite playlist projet d'illustration, comme ça vous verrez un peu le process. Mais voilà, donc sachez que si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon Instagram. En attendant, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis surtout bonne installation à vous !